Ça va, mais... Bon ben salut, bienvenue au Bar Bitch, c'est la première édition avec mon ami Willip. Le concept est simple, on se réunit au bar, on fait de la promotion pour la Labatt 50. Je vais essayer d'inviter des gens différents à chaque fois que je vais en faire un. Ça va faire le changement des bons baisers de chicoute. Fait qu'on pige un sujet de discussion, on râle la marde là-dessus, puis on change de sujet quand on est écœuré. Tu veux-tu commencer? Commencer à bitcher ton sujet? Ou ben, tu peux commencer par bitcher mon sujet si ça te tente, parce que... Alors, on est ici. Pourquoi tout le monde tripe sur l'hostie Grand Marnier à Chicoute? Ça, c'est une de mes questions, puis en réalité, j'ai vraiment pas compris. Pourquoi l'hostie Grand Marnier? C'est pas... C'est mieux que la Jack Daniel. Sérieux? Ben écoute, le Grand Marnier, va te dire, je n'aimais pas ça au début, puis à ce temps, je trouve que ça goûte l'orange. Ok. Est-ce que, mettons, les bars à Chicoute ont une entente avec le fournisseur de Grand Marnier? Peut-être, je sais pas, c'est vrai que c'est 4 pour 10 partout. Ok, ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Alex? C'est 4 pour 12. Bon, mais 4 pour 12. 4 pour 12. Oh, on va aller voir ailleurs. Qu'on aurait fait le tour. C'est pas le temps de dire. Prochain sujet. Les transsexuels au Magic. Oh! Ça arrive de plus en plus. Les transsexuels au Magic. Il y en a pas juste au Magic, il y en a à Taverne Racine. C'est vrai qu'il y en a à Taverne Racine. Ouais, aussi. Mais est-ce quasiment le même bord d'aller qu'à descendre les marches? Ouais, puis, ils sont faciles à identifier, par exemple. Oui. Comme la fille avec une pomme devant. Au pire, tu regardes la grosseur de ses mains, t'as comme pas d'indice que c'est pas une vraie barbe. Oui, on a de la barbe aussi, puis des calices de jambes. Ouais. Barbe de même! Ouais. Absolument, c'est rare. Ben, il y en a des jeunes. Des jeunes? Ouais, ben des mon chum en. Sexuel. Mon chum en cousait une, genre, pis il criait pas à la fille que c'était un gars jusqu'à temps qu'il y avait une photo de sa graine. Excuse-moi, Pascal. Je sais pas, moi, je trouve que. Ben toi, admettons, tu réagirais comment, genre, pour vous une fille, pis que maintenant la fille te dit, genre, c'est pas. Pas une fille. Je me demande comment tu aborderais. Comment tu réagirais si, genre, quand tu sais, la fille t'intéresse, pis que, genre, elle finit par te dire que c'est un gars. Bon, pas on va mettre nos mains dedans après. Ça ressemblerait à ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu seras déçu de toi-même. Déçu, ouais, ouais. C'est ça. Je me dirais, tabarnak, t'as pas réussi à voir que c'était un homme. Je serais déçu de moi-même. Bon, okay. Bon, ben, bonne raison pour ne pas croiser au Magic. Allez. Ou à Taverne Racine. Je pense à ton tour. Les prochaines semaines, on va essayer d'avoir une caméra qui filme la barmaid. C'est quand même drôle qu'elle donne son. Oh! On a ici les fesses de la barmaid. Oh! Sujet de discussion quand même, hein, c'est chaud. Peux-tu voir tes fesses? Minute, on va quand même donner un aperçu au spectateur. Est-ce qu'on le voit bien? Tourne-toi, c'est ton cul qu'on veut voir. Ben oui, c'est pas ta face. Vous les avez vus? C'est pas obligé que les spectateurs... Bon. Okay. Elle décide de faire dropper mon code d'écoute. Mais là, elle est coincée. Ben ouais. Elle est coincée. Tu coincé le cul? Un peu. Ok. Ça tombe pas coucher au montage. Mais si c'est couché au montage, coupé au montage. Ah, c'est quoi vous avez à dire là-dessus? Ouais, t'as des belles fesses. Moi, je le trouve gros. Non, pas vrai. Non, squat-tu souvent? Hein? Squat-tu souvent? Non, pas vraiment souvent. Non? Non, je devrais peut-être. Mais, par contre, on s'entend qu'à Chicoute, les filles sont tout le temps en train de monter une côte ou de la descendre, mais quand même souvent en train de la monter. Fait. La descente, c'est pour les gros, c'est facile, ils roulent jusqu'en bas. T'as vraiment des gros skis en bas de la descente. Attention, descente de gauche! C'est un abat! Yeah! Ok. On a ça assez parlé. Hey, Alain, on aimerait. Fais-tu un commentaire? Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est face à Alex. Ah, pas des grosses fesses, hein, mais elle doit être bien assise là-dessus. Bien sûr. Ouais. Quelle bonne discussion. Ouais. Je viens de voir pendant que t'es boules. Ouais, mais...
Je m'excuse, Minou, hein, j'ai vraiment rien dit à propos de cette face. Tu veux en avoir un autre, s'il te plaît? Parce que tout le monde le sait que la Labatt 50 est excellente pour placement de produit qu'on voit à la caméra. On va lui demander d'argent pour ça? Ouais, peut-être. Ou ben non, je vais demander à YouTube qu'ils mettent des annonces genre de Labatt. Donc, PKP démissionne du PQ. Il n'y avait pas d'affaire là. Ou ben non, il a déjà fait le cash qu'il avait à faire, ou il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cash à faire avec le PQ. Pourtant, pas de cash à faire avec le PQ. En train d'en essayer l'argent de nous autres pour la mettre dans le poche. Ben, pourtant qu'elle est arrivée ici à côté, mais dans sa grosse limousine, genre, ça s'est mis à l'applaudir comme des mongols. Fais l'applaudir. T'as la compère, l'hiver? Ah oui, c'est pas là, ce soir. L'entrée. Ouais. L'hiver, c'est mon bordel. Il a fait la pour l'hiver. Ouais, il a fait pour l'hiver. Rouge Burger, ça comptait en même temps. Tu l'as gratis parce qu'il a fait du personnel de produit. Je suis dématiste. Mais c'est peut-être des films de Julie Snyder. Snyder. Peut-être, là. Peut-être qu'il y a envie d'avoir avec ses astuces de bras et qu'ils font avoir l'air folle. Mais c'est pas elle qui l'a bon. J'ai aucune idée. J'ai pas trop suivi. Maintenant, je m'encrisse un peu de Pierre-Carl Pedalo. Ouais, je te dirais que moi tout, la politique, c'est pas. C'est pas mon fort. Tu votes-tu? Je vote-tu? Écoute, non, je trouve ça con, voter. Parce que quand tu vas voter, tu vas voter, puis le monde va te dire. Mais comme moi qui va pas voter, là. Tu vas dire, ah bon, ben tu vas pas voter, t'as pas le droit de chialer. Ben au contraire, moi je vais pas voter, j'aurais le droit de chialer, je donne pas mon consentement à me faire fourrer, tu sais. Ah, ok, ouais, ouais. Tu vois, dans le fond, c'est comme si tu serais violé. C'est ça, ok. Donc, fait que moi, j'en ai pas voté, je me fais pas violer. Ben oui, je me fais violer parce qu'ils prennent pareil. Tu te fais pas fourrer, tu te fais violer. C'est ça, exactement. En n'allant pas voter. En allant voter, tu donnes ton consentement à te faire violer par le gouvernement. Tu te fais fourrer, pas violer. Tu te fais fourrer, c'est ça. T'acceptes tout ça? Je vois un peu le principe. Ouais, hein? Ok, prochaine question. Prochaine question. Oh, le monstre de spaghetti volant. Oh, ça c'est pas... Tu connais la religion du pastafarisme? Oui, oui, oui! Ça fait longtemps que tu n'avais pas entendu parler. Ça fait longtemps que tu n'en avais pas entendu parler. Est-ce qu'on a des bonnes news à propos de ça pendant la connaissance? Bonnes news à propos de ça? Ben écoute, moi je suis très fanatique de l'église du monstre du spaghetti volant. OK. Parce que je trouve que c'est une religion qui a les bonnes convictions. Oui, en tant que le religion. Genre de je m'en calisse, tu sais. Ouais, mais en tant que religion, je trouve que c'est bon. Ça, son côté, ça existe. Et son côté un peu farfelu. Exactement. Spaghetti, ça existe. Spaghetti qui vole, c'est comme. Ça nous laisse un peu place à l'imagination. Est-ce que t'as le droit de porter des chemises blanches? Probablement, mais tu sais, le monde va voir que t'as chuté de boulettes de viande et de sauce à spaghetti. Comme si tu t'afficherais ouvertement ça. Ouvertement à manger des spaghetti plus proche. Okay. Tu peux, ouais, tu peux aussi, tu sais, comme les juifs qui portent le béret, là. Comme le petit cap, là. Exactement, le pistolet cap, là, c'est un nom de... Le filtreur à café qui cache ta calvitie. Exactement. Tu veux-tu encore qu'on monte ta caméra? Non, merci. Ben, le pastafarisme, tu mets le passoir à sa tête, pis voilà, tu passes partout. Mais l'autre, c'est-tu? C'est comme les femmes voilées. Salut! Tu peux rentrer partout, en disant que c'est ta religion. Okay. C'est une religion reconnue? C'est-tu renseigné un peu partout? Ben écoute, il y a pas mal de fanatiques qui suivent, pis je pense que oui, c'est reconnu comme une religion officielle, étant donné une croyance. Est-ce que t'es pratiquant? Pratiquant? Pas vraiment pratiquant de ça, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Tu peux pratiquer, tu sais, il y a le... Ouais, ben en fait, les gens... Tu sais, moi, je me pratique au moins une fois par semaine, ouais, je me fais du spag. Il y a les petits trolls, ouais, ça aussi. Ben, en fait, pour être initié au pastafarisme, il faut que tu manges du spaghetti. En passant, on va... Et tu deviens automatiquement un pastafari. Les vacances, okay, donc la seule chose qui nous manque pour pratiquer le pastafarisme, c'est de penser au monstre. Ton rituel va être de manger du spaghetti en pensant au monstre. Manger du spaghetti une à deux, trois fois par semaine. Okay. En pensant au monstre, c'est... T'es étudiant, hein? Non. Non? Ok. Écoute, moi, je mange du spaghetti trois fois par semaine. Pas étudiant, je suis pauvre, mais tu sais, c'est dans la même catégorie. Oui, oui, ouais. Vraiment improvisé, prête. Tu sais, mettons, à la place de répandre l'encens, je peux répandre du parmesan.
Oui, aussi, oui. Il y a plusieurs petites phrases telles que... Je bénis votre spaghetti avec ce fromage. Je sais pas si cela est reconnu, mais t'en as une qui est reconnue qui serait puisque son appendice mouilleuse vous touchez. Ah! Il y a beaucoup de théories avec le monstre du spaghetti aussi qui serait que. Dont la gravité. En fait, la gravité serait une illusion. Okay. Ce serait le monstre, le nouille du monstre qui retient ton dans le fond, sinon tu pars à voler. Le monstre. Il nous tient avec des nouilles invisibles. Ben, pas invisible, c'est comme le contact se fait en dessous. Fait qu'elle voit pas la nouille. Comme là, j'ai une nouille en dessous de mon cul qui me tient le cul sur le banc. Et il y a une nouille qui tient ton chaise. C'est comme la arrière est tenue par une nouille. Fuck. Le pot est tenu par une nouille. Ça se voit pas à la caméra. Ça se voit pas, gars, gros, non. Bonne nouille! Hey, c'est de la si bonne magie! Hey, Berger, qu'on change de sujet? Berger, pas de problème, écoute, je pourrais t'en parler toute la nuit du monde sur du spaghetti. On va faire un épisode complet là-dessus, je pense. On se parlera de ça en avant d'un petit bol de spag. Ouais. D'ailleurs, la prochaine fois, on pourrait faire Barbitch, édition spaghetti. Ouais, on irait d'un space spaghetti, puis on se fait un Barbitch. Écoute, on va aller chez Mike, puis on va se prendre un bol de spag, puis on va parler du monde. Non, aller dans un spi spaghetti, genre dans une école, quelque chose de même, pour un petit blanc. Hey, ça, je pense que c'est les qui connaissent les affaires. Donc, Keith Richards, Bill Murray et Justin Bieber. Tu dois voler un char avec le premier, faire un trip de mescaline avec le deuxième et lapider le dernier. Avant de répondre, qui est Keith Richards? Le célèbre guitariste de Rolling Stones. Ok, Bill Murray. Bill Murray, c'est le gars qui a joué dans Ghostbusters. Ok, donc je pense que tu vas être d'accord avec mon choix. On l'appelle Justin Bieber. Merci. Oui. On vole un char avec Bill Murray, puis on fait de la mescaline avec Keith Richards. Ben écoute, c'est exactement ce que j'aurais fait. Moi, je peux ajouter un petit quelque chose. J'aurais volé le char avant de lapider. J'aurais lapidé Justin Bieber avec le char, tu sais, tu mets une roche à la pédale. C'est exactement ce que t'as à dire. Et voilà, Justin Bieber, cache-toi si un moment donné. Ouais, on s'en vient. Ça, et s'il nous trouve ces gars-là, on va devenir populaire avec le Barbitch. Donald Trump élu président. On skip la question? Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, c'est parce que je l'aime pas. Ah, ouais, mais vous non plus. Sérieusement? Je trouve ça parce qu'on s'entend que les États-Unis contrôlent quand même bien la planète. Parce que la partie qui peut nous faire croire qu'ils contrôlent. Ouais. Et donc. Non, pas long, mais, la nation la plus puissante serait contrôlée par un épée. Je concentrais que, genre, si vous genre, là. Il est très bon pour faire de l'argent, il va être très bon pour s'en mettre dans les poches, il va être très bon pour faire des. Sérieusement, je trouve ça mauvais parce que pour la planète, et je trouve ça très drôle parce que les États-Unis vont passer pour des épées. Encore plus que ce qu'on voit déjà. Et troisièmement, il y a le petit downside, c'est que. Il va y avoir de l'Américain en tabarnak au Canada. Parce que j'ai vu un vidéo tantôt, genre, il y a ce monde qui disait, genre, c'est. C'était quoi? C'est BuzzFeed qui ont fait ça. Puis c'était comme, est-ce que vous voulez. Est-ce que vous seriez capable d'être citoyen canadien? Voici un questionnaire, genre, que pour être citoyen canadien, il faut passer. Le monde est comme moins avec la peur de. Que Donald Trump soit élu. On pense sérieusement de déménager au Canada. Toi, tu penses à quoi là-dessus? Moi, je vais te dire. C'est assez inquiétant. Puis j'ai pas suivi vraiment sa campagne. Non plus. J'ai juste entendu ce qu'il a dit. Mais tu sais, en même temps, c'est pas comme si ça avait été jamais vu. Là. Un président misogyne, raciste, pour la guerre. Ben, on a eu notre ami W. Bush qui était assez pro-guerre aussi. Les Américains sont d'ailleurs connus pour. Mais on dirait que ça se sépare de plus en plus. Ouais, c'est sûr que là, on a eu Obama. Président noir qui s'est fait passer pour le sauveur, non, les autres là. Tant qu'à moi, c'est peut-être la bullshit ça aussi. Ouais, mais tout le monde le sait que Obama c'est un lézard. C'est un lézardien. C'est un intraterrien. Tu sais, les lézards extraterrestres qui vivent en dessous de la terre, qui se mordent une fois de temps en temps pour.
50. Oui, il y a les jambes graves, là. Bon, les... à peu près dans le même secteur, là, mais... en plus, on verra... Parce que je crois que c'est inquiétant pour la population planétaire que Donald Trump. Veux-tu un verre ou... Ouais. Votez non, Donald Trump. Votez non, Donald Trump. S'il y a des Américains qui nous écoutent, if Americans are listening my show, please vote Obama this year. He's not on the list, but just... More than, not the same kind of sucking than Donald Trump. Il ne savait pas ce qu'il a fait, mais c'est pas grave, tu sais, gars, c'est déjà mieux. Il y a du monde en arrière-d'elle, c'est pas grave. Non. Tu gorgé, on change de sujet, là. Bon. À mon tour. Ah, on est rendu à 15 minutes, on s'en rendu à 20. Il n'y a pas fait bon aujourd'hui. Hé, j'en ai piché deux. Ben, genre, celle-là, genre, je le vois à travers le papier, c'est quoi, fait que je vais encore le donner. Puis je vais aller lire après, parce que... Ouais, c'est de la peut-être. Donc, Doug Holt Rekmev. C'est parce qu'on a écrit nos sujets sur des coupons qui sortaient de la caisse, puis comme tout ça, on écrit dessus. Genre, j'ai décidé de rien écrire, juste, c'est juste de la marde d'imprimante. Prochain sujet, toi qui n'as absolument rien. Ah, ça va, ça me parle. Tu prends plus jeune, des tiens, pas des miens. Ça va vite qu'on achève notre temps. Ah ouais. De toute façon, tout le monde s'en crie, c'est ça, Fort McMurray. On a parlé de sujets pareils. Le monde qui publie trop intense à propos de la fête des mères sur Facebook. Écoute, contentez-vous de l'appeler, votre mère, tabarnak. Ouais, c'est ça. Ça s'en calait, ça arrivera pas. Scroller sur Facebook pour checker si vous y avez dit bonne fête des mères. Tu sais, nous autres, on s'en calait, que tu l'aimes ta mère. Appelle-la. Au moins, tu vas être sûr qu'elle sait que tu l'aimes, tabarnak. C'est elle que ça me concerne. C'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas moi-même. Alain, il est où? Alain, il est parti, il est parti. Fuck, Alain est trop chaud. Il était pas chaud. Attends, il doit être en train de son char. De toute façon, c'est ça, le char. Tout le monde fait ça. Petite gorgée, prochain sujet. Petite gorgée, ouais. Partie de même, tu lis tes sujets, je lis les miens. Qui gagne la crise de coupe cette année? C'est pas fini, ça! Moi, j'ai pas écouté de hockey cette année. Ben, moi non plus. Je m'en crie. Ben, en ce cas, je peux te dire que c'est pas le Canadien. Ça, c'est sûr. Fait que, je vais en plus un autre. Ouais, ouais, attendez qu'il y a des gouttes. On s'en meurt le cul du hockey! T'as des sports plus importants dans la vie, genre la crosse. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets les loups. C'est important. Ouais, ça me tient en forme, c'est un bon sport. C'est ça. Ouh, l'avant-bras est solide là-dessus, madame. Fait que t'es un bon crosseur, dans le fond. C'est pour ça que tu travailles en télécommunication. Non, c'est fini ce temps-là. Oh, t'as pas assez crosseur, ouais. Oh shit. Tu faisais pas assez d'argent ou c'était tanné, tout? Ah, je sais pas si. Tu vois, on en parlera plus, puis ça va pouvoir passer cette heure-là. Y'en a-tu de la drogue au 5D? Non, y'en a pas! Y'en a. Je pense qu'il va faire bien, par exemple. Je sais pas où qu'il y avait, c'est ça l'affaire. Faut que tu la cherches. Faut que tu sois non étudiant, non pauvre, que tu aies 35 ans d'expérience, puis tu veux un salaire de mort. Tu as à peu près ça? Faut que tu aies 20 ans aussi, puis tu veux travailler à temps plein, puis avoir des vies. C'est rare, ça. Ouais, mais c'est ça le but, à un moment donné, dans la vie, d'avoir un job. Non, hein? Je sais pas, c'est pas ton but, c'est d'avoir un job à temps plein pour puis avoir de vie. La vie, c'est tu travailler ou c'est. Non, pas pour moi. Parce qu'il y a maintenant, ça a l'air qu'il y a un triangle qui est comme avoir un job que t'aimes, avoir un job payante, puis avoir un job que t'es bon dedans. Ça a l'air que c'est comme impossible. Tu peux en avoir juste deux des trois. Moi, je prendrais celle-là que j'aime et que je suis bon dedans. Peu importe que tu sois payant. Oui, je suis une plate à cash, man. Plate à cash, je suis matérialiste. Regarde, moi, j'ai des dreads. Je me lave même pas les cheveux. Pas besoin d'eau, pas besoin de savon. Ah, si, je viens de sniffer une bite. Genre, je fais boucher le lien avec une dernière.
Une mythe de cheveux d'hippie, ça gèle. Bon, ben, rendu là, on y va pour une dernière? On va y aller pour une dernière. Est-ce que Jean Tremblay habite à la baie? Tabarnak! Je suis sûr que oui! C'est qui Jean Tremblay, c'est le maire? C'est le maire, je sais pas si. Moi, je pensais que Jean Tremblay, c'était comme. Le gars qui avait peuplé le Québec, étant donné que tout le monde au Québec s'appelle Tremblay. Genre, c'est des. C'est ça, c'est fou, hein. On était 22 dans ma classe, puis il y avait genre. Oh, 12, 3, au moins 3 Tremblés, les gars. Minimum 3. Ah oui, il y en avait plus dans ta classe quand t'étais jeune. On m'a dit, moi, quand t'avais 3 classes, c'était des Tremblés. Ah, ouais. Ben, ok, Jean Tremblay, c'est le maire. Quant à moi, le maire de Chicoutimi, c'est un alcoolique qui abuse, qui vole l'argent des citoyens, puis qui passe, c'est un snowbird. Ce gars-là, il est jamais ici. S'il habite, genre, tu sais, le style de pays, genre, dans le sud, ce que tu peux. En Thaïlande. Ah, il est en Thaïlande, man. Il règle des petites filles. C'est pour ça que les tremblements sont pas déneigés. Si, c'est peut-être des putes de 12 ans. Moi, je pensais qu'il allait dire en Somalie avec des pirates. Les pirates? Une autre chose, du pastafarisme. Oh, depuis la disparition des pirates, le réchauffement de la planète a augmenté considérablement. Tout le monde, devenez pirate. Ouais. Pour rétablir l'équilibre du réchauffement climatique. Tu deviens pirate, tu as loué genre. Parce que tu bois ton rhum, tu jettes le restant de ta glace dans la mer, ça refroidit la planète. Ça? Non, tu fais pas de glace, tu bois dans la bouteille. Chaud. C'est l'activité pirate qui maintient le climat. Ok. Bon, ben là-dessus, c'était pas mal notre. Il nous en reste encore, mais là, on a fait quand même un long vidéo. Un petit peu trop long, même. C'est pas grave. Puis on va aussi, pour les prochaines vidéos. On aimerait ça que tout le monde ensemble, dans les commentaires en bas, si t'aimais le show, dis-nous que t'aimais le show. Si t'aimerais qu'on parle de quelque chose que tu penses qui va être drôle, fais à ton tour. Ok, soumets-le en commentaire. Si t'as pas aimé ça, tabarnak, écoute les cliches qu'à la fin, c'est petit cœur. Non, mais si t'as pas aimé ça, soumets-le en commentaire, puis mets-nous encore des affaires que toi t'aimerais entendre. Mais quand même, si t'as pas aimé ça, si t'avais rien à l'arrêter avant. Ben ouais, ça a duré 20 minutes, pareil. Ouais, si t'as perdu 20 minutes de ta vie à écouter quelque chose que t'aimais. En tout cas, écoute, à la prochaine. Et c'est ça, à la prochaine. Fuck you.